Alors depuis le 19e siècle notamment, depuis Ernest Renan, beaucoup d'historiens se sont demandé qui était Jésus, le personnage historique. C'est pas très clair quand on lit les évangiles, hein, de manière un petit peu attentive. On a du mal à comprendre réellement qui est Jésus. Est-ce que c'est un prophète juif, un messie, un roi, un pacifiste ou au contraire un révolutionnaire? Même sa nature pose problème. Est-ce que c'est un homme fils de Joseph de Nazareth, lointain descendant du roi David, ou le fils de Dieu, voire carrément Dieu lui-même incarné dans le ventre d'une jeune femme vierge par une opération du Saint-Esprit? Alors, il y a beaucoup de contradictions dans les évangiles. Alors, j'ai essayé d'apporter une réponse à ces problèmes posés par les évangiles. Et c'est mon hypothèse, le point de départ de mon ouvrage, Les quatre saisons du Christ. Je pense que Jésus a développé une véritable stratégie politique de communication. Il a lancé différentes idées, différents discours. Il est parfois revenu sur ses propos qu'il a modifiés, changés par d'autres discours. Alors j'ai identifié quatre grands discours à partir de mon étude des évangiles. D'où le titre de mon livre. Un premier discours de type juif traditionnel. Jésus se présente comme le descendant du roi David, le nouveau David, le Messie attendu par les Juifs. Un deuxième discours judéo-hellénistique, fortement influencé par la mythologie grecque et par la propagande des rois hellénistiques. C'est là que Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. C'est inconcevable pour les Juifs, cette notion de Dieu incarné. Donc Jésus trouve cette idée dans la mythologie grecque. Et puis un troisième discours pro-romain, parce qu'il veut être reconnu par le pouvoir romain, et c'est là qu'il dit qu'il faut payer les impôts à César, c'est-à-dire à l'empereur de Rome, Tibère, à l'époque. Et dans un dernier temps, c'est la quatrième saison, voyant venir l'échec, pour ne pas démobiliser ceux qui croient en lui, il prépare le scénario de sa résurrection. Il prépare l'après Jésus. La résurrection, c'est un thème essentiel dans sa stratégie politique, dans sa stratégie de communication. Sans résurrection, c'était terminé, non seulement pour lui, mais aussi pour les chrétiens. Il n'y aurait pas eu de christianisme. Donc ça, c'est un élément vraiment extrêmement important dans cette stratégie de Jésus. Donc je pense avoir apporté des clés chronologiques nouvelles pour essayer de dépasser les contradictions au sein des évangiles. Et je pense aussi, de manière extérieure, puisque c'est une approche évidemment historique, scientifique et profane, je pense avoir montré aussi le grand personnage politique, le grand leader politique et charismatique qu'a pu être Jésus. Et ça permet de mieux comprendre aussi, me semble-t-il, les succès que connaîtront par la suite les diverses formes prises par le christianisme, tant politique que sous la forme religieuse.